Larkin Poe, Pressing Blues. Voilà la grille. Arrêt sur image. Clic. Arrêt sur image, voilà. Et j'explique, donc, on va d'abord, on va jouer simplement la grille, enfin simplement, comme on doit la jouer, et après on donnera du détail. Hein. Donc, 4 mesures sur l'accord 1, ré. 2 mesures sur l'accord 4, sol. Retour sur l'accord 1, 2 mesures. 1 mesure sur l'accord 5, là. 4, sol. 1 mesure sur l'accord là, et on termine sur le 5. On est parti. On ne fait pas l'intro, chef? Non, hein. D'accord. On fait juste la grille. Non, mais c'est... Ouais. Ah oui, donc on tourne sur un groove à 80 BPM. En réalité, le titre original, apparemment... Je pense que c'est 86. 86. Ben, j'ai pas de 86. Donc on fait 80. Ça va? Fin des années 80. Oui. On est parti. Donc, les deux premières mesures sont jouées staccato, donc c'est-à-dire on joue les accords bien détachés. Voilà, ça fait deux mesures. 1, 2, 3, 4. Et alors, troisième et quatrième mesure, on reprend les phrasés, et attention, dans la quatrième mesure, on la coupe en deux, donc on arrête là-dessus. 1, 3, 4. Ok, après, on passe sur l'accord 4 pour deux mesures, il est toujours aussi staccato. Phrase. Et on coupe aussi la mesure en deux. Et attention, on va à l'accord 5, mais ici on n'est plus staccato, on est legato. Donc c'est-à-dire, on ne bloque plus les accords, on les laisse sonner. Et là c'est le break, on joue le premier temps, et puis on ne joue pas le reste de la mesure. Donc 3, 4. Et on termine sur le 5 de façon chromatique. Donc, on n'a pas donné les détails. Tu es capable de traduire tous les accords que je fais en notes et moi en cases. En notes? Oui, en accords, en le nom des accords. Oui. Parce que ça, dans les grilles, j'ai pas mis ça. Oui. Oui. 1 équivaut. Oui, oui, 1, oui, mais il y a des variations sur les accords. Ah, oui, ça... C'est, il va expliquer les variations, tu le fais. Attends, on va jouer donc ça. C'est quoi les deux accords? Ré et Fa. T'es sûr, hein? Oui. Ok. Ré, Fa. C'est bien ça? Ré. Ok, très bien.
Alors, après la phrase, ben, c'est la même. C'est une combinaison de ré et de fa aussi. Alors. Oui. Très bien. On arrive maintenant sur l'accord 4. C'est une variation de... Ça c'est quoi c'est un sol, 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 fa, sol. Ah oui, sol, sol, fa, ré, fa, sol. Nous on joue ré, fa, sol. Oui. C'est juste ça, ré, fa, sol. Oui, c'est ça. Okay. Puis on reprend les phrases du début. En la. Attends, hein, c'est la, 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 la. Oui, et chromatique. Ça donne la, la, la bémol. Oui, ou sol dièse. Ou sol dièse, vers sol. Vers sol. C'est ça. La, la, la bémol, sol. On arrête sur le sol et on reprend la première phrase, oui. L'accord 1. Et on termine sur l'accord 5 de façon chromatique. On va donner les notes aussi. Sol, sol, sol dièse, sol dièse, et là. Et là. Voilà, comme ça on a tout. Nous sommes donc dans un bon blues en 12 temps. 12 mesures. Mesures. 12 mesures de 4 temps. Et c'est enregistré. Oh merde, c'est enregistré.